analyses cette défaite, au retour des vestiaires, déjà c'était difficile. Ouais, un peu difficile, mais bon. Là, c'est l'arbitrage qui nous a un peu tombé, je pense. Mais sinon, dans l'ensemble, on a fait un bon match. Même à 10 contre 11, on s'est battu et tout ça, on a eu des occasions. On n'a pas su les concrétiser, mais bon, c'est le foot. Hein. Quand l'arbitre est contre toi, c'est difficile. Surtout quand tu es à l'ECA, donc on va essayer de ne pas trop penser à ça et penser au match après. Essayer de rétablir et rectifier le tir. Non, moi, France, sincèrement, sur le match, je suis content, assez content de tout le monde, c'est pour l'arbitrage. Après, quand t'as l'arbitre contre toi, à chaque faute, il siffle, à chaque contact, il siffle contre nous, il lâche le jeu. On est déconcentré, on a eu deux, trois erreurs, et bon, ça fait cash, mais bon, c'est pas grave, moi, je suis déçu par rapport à l'arbitre, pas par rapport au match en lui-même, c'était un bon match. Ouais, bah, je pense qu'ils ont fait exprès. Ils ont vu que l'arbitre, ils étaient avec eux. Donc, ils ont joué avec ça pour nous sortir du match. Et c'est vrai que, en fin de partie, ils ont bien joué le coup. Et ça fait que, voilà, le temps de revenir et tout, en deuxième mi-temps, on n'était plus trop dedans. Ils ont mis les buts au moment où il fallait. Et après, bon, c'était difficile, en fait. Quand on a 10 contre 11 avec 3 buts d'écart, c'est pas simple. Ouais, mais bon, dans le jeu, moi, je suis pas déçu. Je pense que, si l'arbitre aurait été courageux, je pense qu'on gagnait ce match, sincèrement, parce qu'ils n'étaient pas, beaucoup plus forts que nous. C'est que voilà, bon. Mais c'est pas fini, c'est une défaite. Il fallait bien qu'on perde un jour, maintenant c'est arrivé là, nous de ne pas baisser la tête et de continuer à jouer comme on a fait ce soir. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui nous arrêteront si on continue comme ça. Et cette mentalité-là.